Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter, chez les pros, le temps d'un café. Cette semaine, je suis en vacances, donc pas de news, j'ai préenregistré un épisode totalement consacré à Magic Arena, mes techniques pour jouer gratuitement et un petit historique. N'hésitez pas à suivre, s'abonner ou faire une review selon si t'écoutes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube ou Podbean. Et c'est parti pour l'épisode 15. Magic Arena, c'est la plateforme sur ordinateur pour jouer aux formats les plus récents de Magic. Une jolie interface, des règles bien implémentées et des évolutions, je pense pour le mieux, depuis sa sortie en septembre 2018. On dit que Magic, c'est le meilleur jeu de société, mais pas le meilleur jeu vidéo. Mais ça fait quand même plaisir d'y passer quelques heures par semaine, surtout en période de pandémie. Merci Magic Arena pour nous donner le Magic dont on a besoin dans cette période difficile. Je vais vous montrer comment je fais pour jouer, grinder gratuitement, sans trop me prendre la tête ni passer trop de temps à la plateforme. Donc c'est parti pour un tutoriel sur Magic Arena en free-to-play, la méthode de Café Magic. Je vais commencer tout de même par dire que c'est pas forcément la meilleure méthode. C'est une méthode pour quelqu'un qui veut jouer quelques heures par semaine, faire principalement du construit, donc du standard, de l'historique ou du brawl, une petite dizaine de drafts à chaque édition. Si t'as tout le temps du monde, la méthode est simple, tu fais toutes les quêtes. Ou si t'as tout l'argent du monde, la méthode est simple aussi, tu achètes tous les boosters que tu veux et la question est vite répondue. Mais qu'est-ce qui se passe si tu travailles ou que t'étudies, t'as pas un temps fou à consacrer à Magic Arena, mais tu veux quand même pouvoir jouer sans forcément dépenser d'argent, mais arriver à jouer des vrais decks de standard ou d'historique compétitif, tout ça en consacrant 2-3 heures de jeu par semaine. Aussi, une autre question, pourquoi jouer gratuitement? C'est pas une fin en soi. Il n'y a aucun problème à payer pour jouer, à ma connaissance, il n'y a même pas de stigmatisation dans la communauté pour les gens qui payent, la plupart des gens le font et ils ont raison. Il n'y a pas besoin de se forcer à jouer en free-to-play si on n'apprécie pas ce style de jeu. Mais rester en totalement gratuit reste pour moi comme un défi qui à la fois ajoute du fun, autre que le fun de la compétition, et qui me limite pour pas que je passe non plus tout mon temps sur le programme. Quand j'ai fini mes quêtes et mes pièces, c'est temps de faire autre chose. Je vais donc parler de trois étapes. Le tout début, l'accumulation et l'étape de la dépense. C'est même plutôt, pour ceux qui connaissent, une machine d'état. On va commencer par l'étape du tout début, puis osciller entre l'état d'accumulation et l'état de dépense. On commence donc par le début. On part pas sans rien à Magic Arena lorsqu'on installe le programme pour la première fois. Arena nous propose 5 decks monocouleurs qui sont pas si dégueux. Faites le tutoriel si vous en avez besoin et profitez de cette expérience du début. C'est un sentiment que moi je trouve assez sympa de faire vraiment ses débuts sur la plateforme et de se battre pour chaque wildcard commune ou incommune et de gagner des nouveaux decks chaque jour. Parce que lors de la première semaine, pour chaque nouveau jour où on joue à la plateforme, Arena nous donne un nouveau deck bicolore. Ce qui est une activité qui est plutôt plaisante et il faut profiter de cette excitation du début car tu la retrouveras pas forcément après. En tout cas, si ça te plaît, profites-en. Une fois tous les decks débloqués, continue à jouer avec ces decks en mode de jeu normal. Donc je parle bien du jeu normal, ça veut dire play now, c'est pas le ladder, c'est juste du magic pour le magic. Et c'est là que commence le rythme qu'il est bon d'avoir tout le temps, le rythme de croisière du jeu sur Magic Arena. Jouer à peu près tous les 3 jours pour faire les quêtes par groupe de 3, et puis après, par exemple le week-end, se faire éventuellement des sessions plus grandes pour profiter à fond du jeu. C'est comme ça que je peux jouer à la fois du standard compétitif sur Arena en accumulant assez de wildcards pour faire les decks compétitifs qu'il me faut pour cette activité. Un petit rappel sur les quêtes. Chaque jour, une nouvelle quête qui rapporte des pièces, de 500 à 750 pièces, est ajoutée pour la compléter. Et les victoires aussi rapportent des pièces avec des gains décroissants. Plus on gagne, moins ces victoires nous font gagner des pièces. Dans cette méthode, on va totalement se focaliser sur les quêtes pour gagner de l'argent.
car je pense que ça apporte du stress de vouloir gagner absolument et de l'inclure dans sa routine. Ça apporte de la négativité qu'on vient juste passer 20 minutes pour faire ses quêtes et continuer un peu le grind pour avoir plus tard une session sympa. Donc ma méthode se situe là. Plutôt que de faire une quête chaque jour, tu attends que ça s'accumule, puis comme ça, tu peux faire une session de jeu où tu vas pouvoir compléter trois quêtes à la fois. Donc ça fait que tu peux jouer un peu le mardi, un peu le jeudi, puis faire une bonne session de jeu le samedi par exemple. Comme ça, tu es sûr de plus ou moins faire toujours toutes les quêtes et t'es pas non plus tous les soirs sur ton ordinateur à booter le jeu et à passer ta vie là-dessus. Si tu gagnes de temps en temps, même, ça fait des pièces en plus et on va considérer ça comme du bonus. Et il faut savoir que gagner avec des decks très simples ou même avec les decks préconstruits, ça arrive, c'est possible et c'est un bonus qui fait plaisir quand tu viens faire ta petite dose de grind tri hebdomadaire. On voit que les quêtes, ça se tient comme ça. D'abord, tu as les quêtes jouer un certain nombre de sorts d'une paire de couleurs. Il faut savoir que tu peux bien sûr jouer qu'une seule couleur sur les deux et ce sera même plus focalisé pour réussir plus rapidement cette quête. Il y a ensuite un autre type de quête, c'est attaquer avec X créatures. Simple, mais ce qu'on voit avec ces deux types de quêtes principaux, c'est que pour grinder assez rapidement en semaine, il vaut mieux se diriger vers des decks agressifs. Presque que des drops à 1, des drops à 2, en mono blanc, mono rouge, mono vert. Ce sont des decks qui vont te permettre en 20 minutes de faire 3 quêtes. Donc, on va penser à ça plus tard dans notre pool de decks qu'on va utiliser pour ce grind. Un autre type de quête, c'est jouer X nombre de terrains. Alors ça, c'est un débat, mais je trouve autant le faire avec ces mêmes decks agressifs, comme ça, tu as toujours une chance de gagner et de gagner un peu plus de pièces. Et parce que c'est pas spécialement intéressant de faire un deck de 60 terrains de base, et donc autant utiliser les decks qu'on a déjà. Et enfin, le dernier type de quête, tu es X créature. Ça, c'est difficile à faire avec ces decks monocouleurs agressifs, donc je propose de se faire un deck mono noir avec tous les removals, tous les sorts pour tuer ceci ou cela en mono noir qu'on a automatiquement au début de Magic Arena. Il y en a à peu près assez pour faire tout un deck. On voit que ça nous fait un pool qu'on peut essayer d'obtenir de un deck blanc, un vert et un rouge aggro, un deck mono noir que des removals. Ça fait un petit pool de 4 decks, pas besoin de deck bleu, et comme ça, quand tu fais ta petite session du mardi soir en rentrant du boulot 20 minutes de grind, ça va aller très vite. Pour finir sur les quêtes, on peut savoir qu'on peut faire un reroll. S'il y a une quête qui ne te plaît pas parce que ses couleurs t'arrangent pas, ou alors parce que tu as envie de tenter ta chance pour avoir une quête qui fait gagner 750 pièces, tu peux cliquer dessus et retenter ta chance pour avoir peut-être une quête plus intéressante pour toi. Moi, j'aime bien toujours tenter de faire le reroll dont on a le droit chaque jour pour essayer d'avoir une quête de plus de 750 pièces. Mais bon, autant pas se prendre trop la tête avec ça, sinon ça peut devenir frustrant. On passe après la première étape de départ, la seconde étape, ou alors le second état de notre machine, ça va être l'accumulation. Le but de cette étape, c'est d'obtenir un vrai deck compétitif. Pour ça, on va accumuler les wildcards. À quel point les accumuler? Moi, j'ai envie de dire, dès qu'on peut à peu près jouer un deck compétitif, il faut tout de suite le monter. On peut remplacer les terrains, parce que c'est ce qui coûte le plus cher en termes de wildcards, tous ces terrains rares. Donc, sachez que si tu joues deux Guildgate et deux terrains de base à la place de quatre Checkland, ça ne va pas te faire perdre 20% de win rate, mais plutôt 2% ou même 0,2%. Donc, autant tout de suite chercher à avoir un vrai deck, parce que là, on va pouvoir commencer à prétendre gagner des parties et gagner plus de pièces comme ça, et puis aussi faire le Magic qui nous plaît le plus a priori, c'est-à-dire utiliser des vrais decks du format standard, historique ou brawl. Ça a un côté quand même plus sympathique. L'idée, c'est donc de dépenser absolument toutes ces pièces dans cette phase-là en booster. Dès que tu gagnes 1000 pièces d'or, tu dis « Oh tiens, ça fait un booster ». Tu accumules les boosters et tu les ouvres directement pour obtenir les wildcards. Et dès que tu peux, tu crées ce deck compétitif. Où trouver les decks compétitifs? Vous pouvez aller sur mtgtop8.com
par exemple, et ça montre tous les decks du meilleur tiers. Vous prenez celui qui vous intéresse le plus. Il faut savoir que parfois Magic Arena fait des événements où tu peux utiliser toutes les cartes d'Arena même si tu ne les possèdes pas. Et ça peut valoir le coup d'attendre un événement comme ça. Il y en a souvent au début des nouveaux sets ou d'un nouveau standard. Et ça peut vous permettre de ne pas vous tromper. Donc au départ, tu utilises tes decks monocolores en play normal. Puis le standard en ladder avec ton premier deck compétitif jusqu'à avoir un vrai deck de standard et finir tout le deck avec tous les terrains, etc. Un deck complet. Une fois que ton deck est complet, là, le but c'est d'accumuler des pièces pour possiblement faire autre chose avec. Drafter des formats sympas d'arena comme le cube ou alors tenter d'obtenir un autre deck. À ce rythme, je pense que tu peux acheter à peu près un nouveau deck de standard par mois. Faut pas oublier qu'il y a le bonus de niveau aussi, lorsque tu gagnes un niveau à Arena, tu gagnes des boosters, et donc ça fait partie de cette phase d'accumulation. Aussi, un autre bonus, c'est les codes promo. À chaque nouvelle édition, tu as un code, c'est souvent, par exemple pour Ikoria, c'était Play Ico, ou alors Play M21, qui permet de facilement gagner des boosters. On peut facilement trouver sur internet tous les précédents codes, et les réutiliser même assez longtemps après. En résumé, dans cette phase, accumuler les wildcards, se faire un vrai deck, puis après accumuler les pièces comme un fou. Et là, on entre dans l'aller-retour avec la dernière étape, la dépense. Tu as obtenu des pièces en faisant du ladder, et là, dans cette étape, tu peux te faire plaisir, dépenser tes pièces en draftant par exemple. Ou alors les autres formats que moi je trouve vraiment cool d'Arena, faire du cube, ça te fait généralement pas trop gagner de pièces. C'est vraiment que du fun, et puis finalement, on est là pour ça. N'ayez pas peur de dépenser votre argent virtuel sur Arena non plus. Et tu oscilles entre les deux, de la phase de dépense de toutes ces pièces que tu as accumulées, puis après, tu vas revenir à une phase d'acquisition. Et c'est là la beauté de cette méthode, c'est que tu grindes, tu fais du standard, puis tu en as marre du standard au bout d'un moment. Donc il est temps, avec toutes les pièces que tu as accumulées, d'aller faire par exemple du draft, du cube, jusqu'à ce que tu en aies marre de ce format. Et donc ça te permet de faire des phases comme de prise de masse puis de sèche, de accumuler des pièces puis de les dépenser, afin de jamais te lasser d'un format. Et il faut le savoir, dans toutes ces itérations, ça te fait grandir ta collection, et c'est un petit peu le but du jeu au final. Moi je joue depuis 2018, j'ai jamais rien dépensé, c'est pas une fierté particulière, mais je trouve que ça ajoute un petit peu plus de fun à la méthode, et je peux créer tous les decks standards que je veux, enfin pas tous à la fois, mais si je veux jouer un nouveau deck historique par exemple, je peux le builder avec mes wildcards. Donc c'est possible, jouez à Arena, ayez du fun avec, c'est sympathique, vous verrez. Petit deck tech sur mes decks que j'utilise pour la grind. En mono blanc, bah bien sûr tous ces decks c'est que des communes et des incommunes, mais en ce moment en mono blanc il y a un thème lien de vie, donc autant en profiter avec les primates, ça te permet d'armer un petit peu ton deck avec ce life gain. En noir, absolument tous les removals de draft nuls, donc c'est un deck vraiment pas très intéressant, mais avec meurtre, murder, ça marche bien, et dans les decks préconstruits il y a déjà pas mal de ces sorts. En mono vert, que des one drop et des deux drop, pas vraiment intéressant, mais ça marche. Et en mono rouge, j'ai un deck de grind avec que des communes et des incommunes, et qui sont plein de créatures avec un d'attaque, qui marche très bien avec l'enchantement Cavalcade of Calamity. Ce qui est même un deck assez compétitif en ce moment, donc en mono rouge, il y a une possibilité de faire un deck pour grinder, qui va pouvoir gagner finalement pas mal. Ça peut devenir assez fun d'ajuster ces decks à la méta. Donc c'est un processus que vous verrez assez vite si vous êtes fait pour ça, si vous trouvez ça drôle d'ajuster petit à petit votre deck de mauvaises cartes, si vous trouvez ça particulièrement satisfaisant de gagner avec un mauvais deck, c'est que cette méthode de free to play est faite pour vous. Si c'est pas fait pour vous, et ben c'est pas grave, un petit peu d'argent sur Arena, ça ira plus vite et on en reparle plus, c'est vraiment pas grave. Avant de conclure, j'aurais aimé faire une petite rétrospective sur Arena. Parce que ça fait pas très longtemps que c'est sorti et je me rappelle très bien les débats fous qu'on avait sur Twitter avant la sortie du programme.
Parce qu'au départ, on ne savait même pas si Magic Arena, on connaissait déjà le nom, la communauté, Wizard nous l'avait déjà dit, mais on ne savait même pas si ce sera vraiment un jeu auquel on pourra jouer à Magic. Vous connaissez peut-être déjà d'autres programmes que Wizard of the Coast a sortis, comme Duel of the Planeswalker, qui sont des programmes d'initiation à Magic, mais on ne joue pas vraiment le jeu Magic tel qu'il est joué en papier. Par exemple, il n'y a pas d'éphémère ou je ne sais pas quoi, j'ai pas joué à Duel of the Planeswalker. Donc ça a été un soulagement général énorme quand on a compris que effectivement Magic Arena, ce sera le vrai jeu Magic avec les vraies règles. Et au tout début d'ailleurs, par ailleurs, c'était le seul truc qui faisait différer Arena avec le vrai Magic, c'est qu'il n'y avait pas de mode full contrôle. Par exemple, tu ne pouvais pas mettre des stops là où tu voulais, tu ne pouvais pas répondre à ton fetch, à ton propre fetch avec un éphémère. Et donc petit à petit, il y a des nouvelles features qui arrivent sur le programme. Et lorsqu'il y a eu du full contrôle, on a vraiment su que Arena, ce serait du vrai Magic. Un gros débat du début qui paraît un petit peu absurde maintenant, c'est les cartes carrées. Parce que lorsque tu joues un sort, lorsque tu joues une carte, elle apparaît sur le champ de bataille sur Arena de manière carrée, alors qu'on sait très bien que les cartes Magic papier, c'est du rectangle. Et ça faisait un débat, beaucoup de gens trouvaient ça trop moche, etc. Maintenant, j'entends plus personne parler de ça, je pense que tout le monde l'a accepté, comme quoi les décisions de Wizard, parfois, on peut critiquer, mais ils ont tendance à prendre la bonne décision. Et enfin, pour ceux qui sont avec eux depuis pas très longtemps, je vous rappelle que au départ, on ne savait pas du tout ce qui se passerait à la rotation du standard. Est-ce que nos cartes disparaîtraient? Est-ce qu'elles serviraient absolument à rien? Et donc ça fait pas si longtemps qu'ils ont introduit le format historique pour faire quelque chose avec ces cartes. Avant la précédente rotation du standard, on n'avait aucune idée de ce que ces cartes deviendraient. En conclusion, Magic Arena apporte quelque chose à Magic. Magic en papier va pas mourir, vous inquiétez pas. Profitez surtout en cette période de pandémie et amusez-vous. Merci d'avoir écouté Café Magic et je vous dis à la semaine prochaine avec cette fois des vraies news.